Un Noël traditionnel. Imagine une vieille maison au milieu de la neige. On entend un crépitement doux provenant de la cheminée, où des bûches brûlent lentement. Sur la grande table, une dinde au marron fume, laissant dans la pièce un parfum de châtaigne et d'épices. Des guirlandes épaisses, vertes et rouges, ornent le sapin. Les enfants fascinés suspendent une dernière boule dorée et prennent une photo de famille. Dans ce moment hors du temps, chacun raconte ses souvenirs d'enfance. On lit un chant de Noël de Dickens en attendant le dessert. Une bûche à la crème au beurre, savoureuse et moelleuse. Autour de la table, on se raconte les Noëls d'autrefois. On revit les traditions et on honore ce qui est cher à chacun. Le film de la soirée, « Maman, j'ai raté l'avion », un classique qui ne vieillit jamais. Cette nuit-là, tout le monde rentre chez lui, le cœur plein de joie et de chaleur. Pour le Noël traditionnel, les matériaux, ça va être des tissus épais, des cotons, laine, des bois foncés, verre coloré, des métals dorés, des céramiques traditionnelles. Au niveau du détail, on aura des bougies rouges et vertes, des figurines en porcelaine, des nappes damassées, des guirlandes de perles et des pommes de pin et des rubans en velours. Un Noël scandinave. Dans une petite maison en bois nichée au cœur d'une forêt, on aperçoit des grandes fenêtres recouvertes de givre, laissant entrer la lumière douce d'une journée d'hiver. Dans cette ambiance calme et épurée, on savoure des biscuits au gingembre autour d'un sapin décoré de boules blanches et de guirlandes lumineuses. Chacun prend un plaid douillet en laine et les adultes dégustent un saumon mariné à la nette, un plat scandinave emblématique. Le soir, toute la famille se réunit pour fabriquer des bougies parfumées, offrant à chaque membre un petit souvenir fait main. En fond sonore, la Reine des Neiges apporte une touche magique et cristalline à l'ambiance. Dans cette simplicité, chacun redécouvre le bonheur du minimaliste et de l'essentiel plongé dans l'art du huge. Dans la décoration, on va retrouver des bougies, des petits sapins en bois, des guirlandes en fil de cuivre, des plaids et des coussins en laine. Un Noël rustique. Imagine un chalet perdu dans les montagnes où l'on respire l'odeur de la forêt et du bois brûlé. La neige est tombée abondamment, recouvrant le paysage d'une couverture blanche immaculée. Dans la chaleur du chalet, la grande table en bois est dressée pour une raclette conviviale. Les invités reviennent d'une promenade en forêt, rapportant des branches de sapin et des pommes de pin pour confectionner des décorations authentiques. La soirée se poursuit autour d'un gâteau aux noix caramélisées, tandis que l'on regarde Le Grinch, un film amusant et parfait pour l'occasion. On se raconte des histoires au coin du feu, en écoutant le crépitement de la cheminée et en se laissant envelopper par l'ambiance apaisante de la nature.
pour le Noël rustique. Les matériaux seront le bois brut, de la laine, de la jute, des céramiques rustiques, des pierres naturelles. Au niveau des détails, il y aura des branches de sapin, des pommes de pin, des couvertures en laine, des guirlandes de jute, des chandeliers en bois et des sets de table en tissu brut. Un Noël glamour et doré. Dans une grande salle magnifiquement décorée, tout est prêt pour un réveillon glamour. Les bougies dorées illuminent des nappes blanches immaculées. La table brille de couverts en argent et le sapin est décoré avec des guirlandes dorées et argentées, illuminant l'espace de reflets scintillants. Les convives, vêtus de leurs plus belles tenues, s'installent pour déguster un chapon aux morilles. Après le dîner, passons à la photo. Avec des accessoires étincelants, permet de capturer des souvenirs festifs. Pour clôturer la soirée, la bûche en chocolat blanc ornée de feuilles d'or est servie dans un silence admiratif. En fond sonore, Love Actually accompagne cette soirée inoubliable, rappelant que même dans le glamour, l'amour est essentiel. Les matériaux seront du verre, du métal doré, de la soie, du velours et des paillettes. Au niveau des détails, nous aurons des chandeliers dorés, des boules de Noël en verre étincelantes, des nappes satinées, des guirlandes de perles dorées, des accessoires scintillants et des coussins en velours. Un Noël nature et éco-responsable. Dans une maison où le naturel et le fait main sont rois, chaque décoration est choisie avec soin pour respecter la planète. Le sapin est orné de rondins de bois, de branches de pin et d'ornements faits maison. Les plats sont préparés avec des ingrédients locaux. Une soupe de potimarron réchauffe les cœurs et un crumble de pommes bio est servi pour le dessert. L'activité du soir est simple, mais chargée de sens. Chacun fabrique ses propres décorations à partir de matériaux recyclés. On regarde le Pôle Express, un film qui rappelle que chaque Noël est une aventure. Et on termine la soirée en lisant Les quatre saisons de l'arbre. Au niveau de la décoration, il y aura des bocaux en verre, des rondins de bois, des branches de sapin, des bougies naturelles, des ornements recyclés et personnalisés. Au niveau du Noël nature et éco-responsable, les matériaux seront en bois recyclé, des verres recyclés, des papiers craft, du tissu de coton bio et de la cire naturelle. Au niveau des détails, on aura des bocaux en verre pour bougies, une couronne de branchage naturelle,
des sets de table en toile de jute, des guirlandes de feuilles séchées et des ornements faits maison en carton recyclé. Un Noël pastel. Dans une pièce au ton doux et apaisant, tout est décoré en rose poudré, bleu clair et blanc nacré. Le sapin est garni de rubans de satin et des petites boules en vert pastel. On partage un dîner léger et délicat avec un gratin de légumes avant de déguster un pavlova aux fruits rouges, aussi belle que délicieuse. Pour l'activité, chacun crée son propre ornement pastel pour le sapin. Le film Casse-Noisette et les quatre royaumes plongent les enfants dans un univers féerique et rêveur, tandis que les adultes se plongent dans la petite fille aux allumettes au conte touchant. Au niveau de la décoration, les boules pastel, des rubans en satin, des figurines en verre, des petits animaux de Noël au ton doux. Au niveau du Noël pastel, les matériaux seront le satin, vert transparent, le bois clair, la céramique blanche et du papier de soie. Au niveau des détails, il y aura des boules de Noël en vert pastel, des rubans en satin, des napperons délicats, des figurines en céramique blanche, des guirlandes de perles nacrées et des fleurs séchées. Un Noël vintage. Un vieux gramophone joue une musique ancienne dans une maison aux souvenirs infinis. Sur la table, des assiettes en porcelaine accueille un rôti de bœuf comme autrefois. Les décorations sont simples mais remplies d'histoire. Boules de Noël en verre peint, guirlandes de perles et petits soldats de bois. Les invités se plongent dans un atelier de création de boules de Noël vintage, rappelant le charme des fêtes d'antan. Au dessert, une charlotte aux fraises est servie pendant que l'on regarde le miracle de la 34e rue. Pour ceux qui le souhaitent, la soirée se prolonge avec la lecture de Le Noël de Nicolas, une histoire douce et nostalgique. Au niveau de la décoration, des guirlandes rétro, des figurines anciennes, des boules en verre, des photos forts d'époque. Au niveau du Noël vintage, les matériaux seront des matériaux de porcelaine ancienne, des verres soufflés, du bois vieilli, des tissus brodés et du métal patiné. Au niveau des détails, il y aura des guirlandes rétro en verre, des bougies vintage, des vieilles illustrations de Noël, des boules de Noël en verre peint, des figurines en métal et en bois, des photos forts en verre teinté. Le Noël polaire. Dans une pièce toute blanche, des flocons de neige scintillent aux fenêtres. Les murs sont décorés de cristaux givrés et de guirlandes argentées. Sur la table, un plat de cabillaud est servi avec une élégance épurée. Après le dîner, la famille se réunit pour une activité amusante. La fabrication de boules de neige décoratives en papier mâché.
Pour ajouter à l'ambiance polaire, le film La Reine des Neiges est projeté, apportant une touche de magie glacée. Au dessert, un sorbet aux fruits de la passion rafraîchit les papilles et clôt cette soirée polaire sous un ciel imaginaire d'aurore boréale. Au niveau des idées de décoration, les flocons de neige en papier, guirlandes argentées, boules transparentes, ours polaires et pingouins décoratifs. Un Noël tropical. Oubliez la neige. Dans une ambiance de Noël tropical, la chaleur et les couleurs vives remplacent le froid de l'hiver. Les invités se retrouvent dans un jardin aux lumières colorées, entourés de palmiers et de fleurs exotiques. Le sapin est remplacé par une planche tropicale décorée de coquillages et de fleurs. La table est parée de couleurs éclatantes, des fruits exotiques et de vaisselle aux motifs vibrants. Pour le dîner, un plat de poisson grillé aux épices et riz coco est servi. Suivi d'une salade de fruits tropicaux rafraîchissante pour le dessert. L'activité du soir, concours de cocktails exotiques où chacun invente sa propre boisson avec des fruits et des herbes fraîches. Au fil de la soirée, l'étrange Noël de Monsieur Jack est projeté, ajoutant une touche fantasy et pour conclure, la lecture du livre Un chant de Noël en version tropicale enchante petits et grands. Au niveau des idées de décoration, une guirlande lumineuse, multicolore, des coquillages, des fleurs exotiques, des palmiers décoratifs, des bougies parfumées à la noix de coco et à l'ananas et la vaisselle colorée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce même style, je vous invite à aller voir mes 10 styles de décoration automnale. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À bientôt.